quelle coupe de cheveux de malade. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour. Ouais, regardez, franchement, que demande le peuple? Que demande le peuple? Dehors, nous sommes le 21. Ah, c'est le printemps? Non, c'était hier. C'était hier, c'est pas grave. On est le printemps aujourd'hui. T-shirt, une petite brise. Il fait froid. Petit café à l'extérieur. Voilà, on commence bien le vlog, tranquillement. Alors, en tout cas, vous avez été... Alors déjà sur ma vidéo de retour, donc avec le haul de Corinne, je crois que... Alors je vais regarder... Ah, 97 likes. 97 likes. Respect. Alors est-ce que les 90... Voilà, voilà. Vous avez peut-être pu entendre. Les 97 likes, est-ce qu'ils sont pour moi ou est-ce qu'ils sont pour ma femme? Je sais que beaucoup m'ont dit en gros les trois quarts des commentaires c'était pour Corinne, c'était même pas pour moi. Donc je me pose la question, est-ce que c'est ma femme que vous voulez voir? J'ai même eu un message, faudrait qu'on voie ta femme plus souvent. Donc vous savez quoi, hein, je vais faire le mec vexé et voilà, vous allez voir ma femme. Attends, l'autre terrain. Allez, non, comme ça. Allez, 1, 2, 3. Allez, vite. Oh, cassez le dos. Je demandais une prime de stéopathe. Attention à la bête, tout ça. Alors vous kiffez ou pas? Ou pas? On revient sur moi. Avec ma coupe de cheveux de... En tout cas, ouais, je vous remercie. J'ai eu pas mal de commentaires, hein, déjà sur mon retour. Et sur ma vidéo d'hier. Alors déjà, oui pour un tuto pour le modeling past. Je vais vous faire ça. Je vous ferai un petit tuto vraiment genre... Sérieusement, c'est assez rapide. Hein, ça prend... Allez, 5-10 minutes même pas à faire une couleur. Il y a encore... hier, j'ai dû faire les 3 couleurs, parce que j'ai fait 3 couleurs. J'ai dû les faire en 10 minutes. Faut un minimum d'investissement. Hein, mais bon, quand on voit le prix du modeling past coloré, voire le modeling past normal, ça revient vite pas cher. Voilà. Sinon... Petite aparté, alors j'ai mis mes classeurs en ligne et je me suis dit je veux pas faire de pub, rien, et ils sont partis. Il m'en reste 1, 2, un truc comme ça. Voilà, donc je vous remercie réellement, je sais que vous regardez mes vlogs, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que c'est les personnes qui regardent mes vlogs. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie. Je lis vos commentaires en même temps. Content de ton retour, la vidéo en 2 parties, car j'ai... Tu as dit des classeurs en ligne. Ouais, Chrysalide, je sais que tu es une des personnes qui a stoppé. Ouais, voilà, comme tu m'as marqué, tu as stoppé pour aller commander le classeur que tu voulais. Donc avec les l'arabesque. Vince, ah, te revoilà. C'est cool de revoir en forme et de bonne humeur. Corinne, un autre haul, mais sans Romain. T'as entendu ou pas? Ah oui, j'ai eu un commentaire que ma femme l'a lu hier soir. C'est celui-ci de Christine qui est marqué quoi? Par rapport à mon amour, t'es un amour. Ouais, ouais. C'était pour rigoler, hein. Oui, elle m'a, elle m'a pas, elle m'a pas fâché, hein. Ah non, non, c'est pour rigoler. C'est... Voilà, on est en mode rigolade, hein. Vous voyez, elle me frappe, tout ça. Jessica, Poupette est heureuse aussi de revoir monsieur. Vous savez quoi? En tout cas, vous êtes... Je vais pas lire. Il est où ton sweat Superman? Mon t-shirt? Je viens de le ranger, je viens de ranger mon armoire. Enfin bref, je vais pas lire tous vos commentaires. Parce que ça, déjà, ça prend du temps. Hein, ça prend du temps sur la vidéo. Donc, en tout cas, les trois quarts des personnes, parce que j'ai eu quand même des pouces rouges sur mon retour, mais on s'en fout. Hier soir, vous avez eu une page parce que j'ai réussi enfin à uploader des vidéos sur YouTube. Et j'étais en train de dire, en fait, voilà, j'ai encore perdu. Hein. En tout cas, vous êtes content de me retrouver. Voilà. Avec un ciel de ouf. Alors, à l'origine, aujourd'hui, je devais... Hein? Ça se gâte.
Ça se gâte? Est-ce que ça se gâte pour vous? Attends, on parle aux gens du Nord là. Est-ce que c'est un mauvais temps pour vous ou pas? Je sais que pour vous c'est un beau temps. Hein, les gens du Nord? Allez, au revoir les enfants. C'est plutôt sympa, hein, le petit truc que j'ai fait pour ma femme. Hein. Que j'ai fait pour ma femme. On va rentrer. Il fait frais en fait, en t-shirt il fait frais. Donc je ne sais plus quoi dire. Oui, je devais à l'origine sortir, faire de l'urbex aujourd'hui. Et finalement, parce que je devais y aller avec ma petite sœur qui devait venir sur Narbonne. Hop. Voilà. Qui devait venir sur Narbonne et finalement, elle a pas pu. Je fais juste mon réglage. Voilà. En fait, non, c'est bon, c'est pas trouble. Et donc, finalement, voilà. Pas de. Heureusement, hier j'ai pas dit parce que hier elle m'a envoyé un texto, ouais, viens, on va visiter un truc. Donc je voulais hier le dire, ouais, comme d'habitude, je voulais dire un truc, genre, ouais, on va faire ça, et finalement, non. Ouais, ma coupe de cheveux, le pire c'est ça là. Je vais rester comme ça pour les quelques secondes, je vais arrêter de parler pour le moment. Ce midi c'est. Ouais. On passe du coq à l'âne. Voilà. Vous avez trouvé à ma place? Archibar Mortier. Voilà. Enfin bref. On se retrouve plus tard. Là, je vais soit vous filmer le tuto tout de suite, maintenant. Soit je vais finir les trois pages que j'ai commencé, les trois fonds que j'ai fait hier. Et en fait, je ne les ai pas filmés. C'est le seul inconvénient. Je me dis que j'aurais dû filmer. Mais vu que j'étais tellement content d'avoir fait cette pâte et de la tester que je ne l'ai pas fait. Enfin bref. J'ai une présentation de page à faire. J'ai du montage encore vidéo à faire. J'ai une page d'avance finalement vu que j'ai retrouvé mes vidéos. Et je vais finir ces trois pages. Ce sera sûrement du simple. Mais voilà. Allez, je vous dis donc. À plus tard. On se retrouve dans mon atelier. Alors, pour être franc, je vous avais dit comme d'hab. Hein. J'avais dit que je ferais mes pages sont toujours là, n'ont pas bougé. J'ai fait autre chose, un truc complètement qui n'a rien à voir avec du scrap. Bah, ça a à voir avec ma pièce. Vous pouvez peut-être l'imaginer avec la luminosité, c'est qu'en fait la lumière est éteinte. Ouais, en gros j'ai réouvert ma scrap room. Tout simplement. En fait j'ai enlevé le placo qui était là, donc je sais pas, vous pouvez peut-être voir la doublette qui est juste ici, et donc la doublette qui est juste ici. En gros, j'ai réouvert mon atelier pour que je puisse avoir deux choses. Donc déjà, un, que j'évite d'être enfermé réellement dans cet été, en fait, pour éviter d'être enfermé dans une boîte, voilà quoi. Et donc ça revient à la même chose, parce que la deuxième chose revient quasiment à la première, c'est que il commence à faire assez beau chez nous, et donc je vais faire des économies d'énergie. À l'origine j'avais bloqué pour pouvoir, on se rapproche. C'est passé haut, je trouve que c'est passé haut. Hop, voilà, et je vais enlever ça comme ça, je vais vous regarder droit dans les yeux. Et donc, à l'origine, j'avais fermé pour pouvoir faire des économies au niveau du chauffage cet hiver. Là, l'hiver est passé, il fait assez bon. Hein, maintenant, on est quasiment tout le temps en t-shirt. Ouais, on est au mois de mars dans le sud. Ouais, je sais que certains ont sûrement encore leur blouson, leur doudoune, leurs gants peut-être le matin. Voilà, nous on a de la chance qu'il fasse beau. Et donc voilà, j'ai fait ça, j'ai réouvert pour avoir de la luminosité à peu près naturelle. Donc déjà ça va me faire du bien, je pense, aux yeux. Et voilà, être, on va dire, à l'air libre. Et donc des économies d'énergie, comme ça au moins je vais arrêter d'utiliser mes néons. Parce que faut dire ce qui est, les néons que j'ai, je ne sais pas, au niveau dépenses énergétiques, je ne sais pas ce que ça vaut, donc j'imagine que ça blinde quand même un minimum. Je rallumerai juste le petit néon qui est juste ici. On va se déplacer, en fait maintenant je suis obligé de voir ce néon qui est juste là. Alors c'est lumière, parce que normalement ça c'est celle du haut,
Voilà. C'est quand même beaucoup mieux en fait, hein. Et celle-ci. Celle-ci, ça va, je vais l'utiliser vraiment pour quand je ferai des pages. Voilà. Au pire, celui-ci, je vais juste. Voilà. Ah ouais, si, en fait, c'est bien comme ça, en fait. Non, elle est juste au-dessus. Juste au-dessus de moi. Au pire, j'utiliserai pour quand je parlerai, mais en fait, je vais intervertir comme ça. En gros, pour éviter de faire de la surconsommation d'énergie. Ouais, je suis très écologique. Ouais. Ou pas. Mais j'essaye. J'essaie. Voilà. J'essaye de l'être, hein, comme vous avez pu remarquer, rien qu'avec mon mes emballages de pochoirs et tout ça, j'essaye de faire en sorte, même si j'ai du papier, au moins c'est pas du plastique. Ouais, voilà. Ouais, je suis écolo. Je suis plutôt alcoolo, ouais. Ou pas, parce que je bois pas d'alcool. Donc, sinon, j'ai reçu trois nouveaux, parce que voilà. J'ai Martine de Alfortville, voilà, qui m'a envoyé une carte. Il y a Marie-France, vous pouvez peut-être remarquer à ce doux pochoir ses deuxième stencil. Donc Marie-France de Martigues et Céline de Pontoise avec un magnifique pochoir ses deuxième stencil. Faudrait que j'arrête l'accent du sud. Parce que je le fais mal déjà, hein, et parce que je suis pas sudiste. Moi je viens du nord, ou pas. Parce que l'accent du nord, j'arrive pas. Enfin bref. Et j'ai reçu un colis de Myriam. Myriam de La Martyre. Non mais sérieusement, et moi j'ai des noms de ouf. Vous, bah c'est pas moi. C'est vous qui avez des noms de ville de ouf. La Martyre. Myriam La Martyre. Donc je ne sais pas franchement du tout ce que c'est. Je ne sais pas si c'est pour mon anniversaire. Je ne sais. J'ai trop envie de l'ouvrir. Non. Tu sais quoi, si tu passes par là, Myriam, j'allais dire Martine parce que martyr. Mais Myriam, si tu passes par là, dis-moi si je peux l'ouvrir. Voilà, je ne sais pas si c'est pour mon anniversaire ou pas. En tout cas, je te remercie pour ce colis. Mais je sais pas, c'est sûrement. Je pense. Je sais pas, mais je pense savoir ce que c'est. Après, peut-être que je me trompe. C'est un truc qui doit être grand comme ça. Comme ça. Je sais pas si. Si tu passes, si j'ai pas le droit de l'ouvrir, dis-moi si je brûle. Je pense que c'est à peu près grand comme ça. Et à l'intérieur, je pense qu'il y a un petit truc grand comme ça. Voilà, en tout cas c'est mon premier colis. Bah, sans compter celui-là de Sam d'hier de les ateliers d'Ilou. Je pense que c'est des bonbons. Si j'avais reçu un colis de Sam avec plein de bonbons que les enfants ils ont défoncé. Voilà. Là, donc je vais continuer parce que finalement un truc que vous ne voyez pas, c'est ce côté-là. Donc là c'est bordel partout en fait. Ce côté là, je me prends dans tout là. Donc là c'est vraiment bordélique. Là maintenant il y a la porte qui est là, il y a... Donc là faut vraiment que je continue le rangement, que je range mon plan de travail. Parce que là vous pouvez voir qu'il est en bordel. Et voilà. Et voilà. Pour le moment, je vous dis donc à plus tard. On fait un petit tour vite fait. Oui, on veut un tuto. Oui, on veut un tuto. Oui, on veut un tuto. Oui, pour le tuto Modeling Past. Voilà. Donc, on veut un tuto. Donc, je vais vous le faire sûrement. Peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas, selon le temps en fait. C'est selon le temps que je vais avoir. Et pas demain, c'est sûr, parce que demain, je ne suis pas là. Je suis à Perpignan. Voilà. Allez, je vous dis donc à plus tard. Je viens de faire deux pages
je précise, non filmé. Donc celle-ci, voilà, donc c'est avec les fonds que j'ai fait hier, hein. Donc celui-ci et celle-ci, voilà, donc je les mettrai sur mon blog, voilà, dans la semaine. J'ai plusieurs pages où j'ai pas filmé en fait, je viens de m'en apercevoir, je dois en avoir moins 4 et 2 de filmer, donc une que vous avez vue hier, enfin bref. Voilà, donc je vais arrêter mon vlog tout de suite parce qu'il commence à faire vraiment froid, hein. Ouais, tout à l'heure je me la pétais, d'accord, mais là le soleil se couche, il commence à faire froid dans mon atelier. Je, en tout cas, je vous remercie, hein, pour tous vos commentaires, tout ça, tout ça. Alors je vais regarder vite fait, voir s'il n'y a pas un truc. Je vous promets, je vous fais le tuto. J'arrive pas à trouver. Donc le tuto modeling past. Franchement, il n'y a rien de plus simple. J'ai trop envie de vous le dire maintenant. Regardez. Donc j'utilise de l'enduit de lissage et des poudres. Tout simplement. Voilà. Donc je vous ferai quand même un tuto bien propre, tout ça. L'inconnu à l'enveloppe vintage, c'est moi. Ah, donc Christelle, elle a mis une semaine décidément, faut une semaine pour qu'elle te parvienne mes cartes à chaque coup. Voilà, bon bah ouais, ça doit être ça, j'habite dans le trou du cul du monde, trou du cul de la France comme tu m'as dit la dernière fois. Enfin bref, allez, j'arrête là, je vous dis donc à demain si tout va bien, je ne sais pas, on verra. Je vous ai dit que je serai à Perpignan normalement, on verra comment ça se passe et je vous en dirai un peu plus demain. Voilà, je vous dis donc à demain si tout va bien.